Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Buzz77610, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo sur The Hunter Call of the Wild, phase d'exploration de la savane, partie 26. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire, c'est l'histoire d'un clic, c'est gratuit. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, on se retrouve après l'introduction. C'est parti, let's go les amis! Donc, lors de la dernière vidéo, on avait fini avec Mubedwa Nambu et on va se diriger maintenant pour la zone de forêt de l'arbre à fièvre. Alors, ça donne vachement envie d'y aller, vu le nom que ça porte. Et du coup, on va commencer par le point qui est ici et après, on va se diriger directement vers le point d'observation. Et on fera comme d'habitude, on avancera tout ça. Voilà, c'est parti. On est à 1,7 km. Pour y aller, on va peut-être prendre le quad. Pourquoi pas? Ça, on perdra pas de temps. Hop, le véhicule est arrivé. Alors, avec le quad, vous allez peut-être pas m'entendre ou très peu parce que le quad fait énormément de bruit. Là, on va éviter de tomber. Ouh, je la sens mal, l'histoire là. Non, ça passe. Ça passe, c'est cool. Ah, ça, c'est des buffles du Cap. C'est des buffles du Cap et il y avait 6 animaux dans le troupeau. Alors vous inquiétez pas, je vais pas les traquer. Ah, si déjà il faut sauter. Pour rentrer dans le quad, ça commence bien les bugs. Alors on fait gaffe au lac. Alors, on est à 300 mètres, 200 mètres. Mais là, est-ce que je passe par le haut? Ouais, on va monter. Ok, on a le truc. Du coup, on va mettre le point sur le point d'observation.
on est à 820 mètres. Et à partir de là, on va laisser le quad. Hop, voilà. À partir de là, on va laisser le quad. Inspecter. Encore des paysages magnifiques. Sincèrement, à couper le souffle, le paysage. Alors, il est quelle heure? Il est 8h32. On n'a pas beaucoup d'animaux de sortie là. On a beaucoup de traces, mais on n'a pas d'animaux. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, oui et non, parce que du coup, il faut quand même que j'arrive à tuer des animaux en utilisant le moins de balles possible, parce que j'en ai plus beaucoup. Et surtout, j'ai plus beaucoup de sous. À force d'empailler les animaux, du coup, j'ai plus beaucoup de sous. D'ailleurs, hors vidéo, je m'amuserai à aller installer les animaux que j'ai réussi à tuer et que j'ai fait empailler. Parce que alors j'ai encore pas mal d'animaux qu'il faut que j'empaille, mais ça vaut cher. L'empaillement vaut cher. Entre 3 et 10 000 crédits pour empailler les animaux. Et quand c'est des animaux style buffle, par exemple, là, ça peut monter jusqu'à 12-13 000 crédits. Donc, ouais, là, ça devient compliqué. Ah, il y a des phacochères. Il y a des phacochères dans le coin, les amis. Et du coup, pour les phacochères, tout ça, je vais utiliser plus la Ranger, vu que les balles sont gratuites. Pour les gembox aussi, tout ça. Le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est que il va falloir que je sois extrêmement précis au moment de tirer. Ok, mon poulet. Là, normalement, je suis pas visible, hein, mais c'est pas grave. Je suis dans un buisson. Je suis dans un buisson, je devrais pas être vu. Alors au moment où je fais la vidéo, les concepteurs ont fait une nouvelle mise à jour pour introduire des nouvelles armes. Ah là là, normalement je devrais pas être vu, je devrais pas être visible. Allez, tu te montres un peu là? Allez.
Bon, ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé. Ouais, génial, j'adore. Allez, montre-toi là. Arrête, le joystick commence même pas. Bon. Elle était un peu loin la mémère, mais bon. Ah, puis en plus, si elle est dans les feuillis. Si elle est dans les feuillis, ça va être compliqué. Ah, attendez. Pas coucher. Montre-toi. Faco, ouais. Faco, ouais. A pas l'air de vouloir se montrer là. Y a pas de réponse. Allez, mon pépère. Amène-toi que je puisse te shooter là. Ça s'approche, les amis. Alors, je ne le vois pas. J'entends les pas.
Je le vois pas avec les hautes herbes. Incroyable. Approche-toi. Ah bah voilà. Le premier tir n'a pas été concluant, le deuxième a été magnifique. Huit cent quatre-vingt-huit. Parfait. Propre. Donc vous voyez, même avec la Ranger, je peux tirer et faire des beaux tirs. Hein, même sur les sangliers. Sur les sangliers, sur les phacochères. Le point d'observation, je le détecte. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr, il y a une nouvelle mise à jour, mais je ne sais pas ce qui a été modifié. Je sais qu'ils ont intégré un nouveau pack d'armes qui, pour moi, est complètement inutile. Sincèrement. Pour moi, le pack d'armes qu'ils ont mis est complètement, mais vraiment complètement inutile. C'est des armes de poing. Allez, Pumba, amène-toi. Pour ceux qui ont la référence. A pas l'air de vouloir jouer avec moi, le pépère. Hein. Tant pis. Je vais pas attendre 107 piges que monsieur veuille bien venir.
cri d'accouplement. Un cri d'accouplement, mais on les voit pas, donc pas très intéressant de. Encore un paysage magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir foule en tout cas. Vraiment. Un petit peu de musique. Alors, voilà. Et comment on fait là-bas? Alors, on doit y aller à pied nous-mêmes pour débloquer le truc. Bon, bah écoutez les amis, on va commencer par ce point là où je l'avais mis. Hein. Et puis après on remontera. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette région? On sait qu'on a des phacochères, on sait qu'on a des buffles par rapport aux traces. Mais qu'est-ce qu'on aura d'autre? Alors, petit coudou, apparemment. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a des buffles. Mais les buffles, on savait déjà. Et d'ailleurs, faudrait que je regarde au niveau de la boutique, voir s'il n'y a pas d'appôt pour les buffles ou les bisons. Parce que c'est vrai que ça pourrait être sympa. Il y a des lièvres. J'ai entendu que ça bougeait à côté de moi. Mais j'ai pas localisé où. Alors je pense que les petits lapins se sont déjà barrés très très loin. Il y en a un qui a fait sa petite crotte. Et il est parti, je sais pas où. Il est parti dans la pampa, là.
Bah, y a pas foule, hein. Des traces de buffle. Très ancienne. Il n'y a pas de gnou. Il n'y a pas de gnou. Alors, le prochain, ça sera pour l'aire de repos. Comme ça, au moins, quand on s'arrêtera, bah, on pourra repartir de l'aire de repos. Ça sera du sûr. Wow. C'est l'arbre du roi lion. Ah non, c'est une hutte. Mais là, on a un arbre qui est super beau. Allez, c'est à l'intérieur. Tac. Il n'y a rien de spécial, hein, comme d'habitude. Voilà. Hutte de Sol Plagi. Plage. Plage. Ok, d'accord. Bon, et il n'y a pas d'animaux alors. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'animaux. Bon, il est 10 h, hein, donc a priori, les animaux devraient être de sortie quand même un peu. Mais je vois qu'il n'y a rien du tout là. On va ranger l'arme. Pour le moment, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas âme qui vive là. C'est frustrant, il n'y a rien. Alors si les concepteurs ont fait une nouvelle mise à jour pour supprimer encore plus d'animaux, il y a un moment donné, le jeu aura plus aucun intérêt parce qu'il n'y aura plus du tout d'animaux, quoi. Alors j'ai déjà dit lors des derniers. Lors des précédentes vidéos, faire des mises à jour c'est bien, mais pour que ça fasse disparaître le bonheur et le plaisir de jouer, autant pas faire de mise à jour, hein, vraiment. Parce que là, j'ai des traces, j'ai eu des phacochères, des lapins qu'on ne voit pas. On les entend, mais on les voit pas. Les buffles, on les entend, mais on n'a pas vu non plus. Donc, il y a un moment donné, les concepteurs, arrêtez de fumer un peu la moquette, hein. Quand vous faites les mises à jour, ça serait cool. Parce que normalement, quand on fait des mises à jour, c'est pour améliorer ce qui est déjà mis en place. Là, j'ai pas vraiment l'impression que c'est amélioré en fait. Là, on a des buffles, ok, d'accord. D'ailleurs, attendez, à ce propos, on va peut-être faire un petit truc là, vite fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière. On va descendre un peu la lumière. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Et là on va mettre ça comme ça. Là on est pas mal. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais là ça me semble correct. Allez les animaux. Montrez-vous un peu, nom de Dieu!
Là, pour le coup, c'est vraiment de l'exploration, hein. Il n'y a pas de phase de combat, il n'y a pas de phase de traque parce qu'il n'y a pas d'animaux. Qu'est-ce que tu veux traquer? Je vais pas traquer de l'air, hein. Et c'est pas un jeu où on traque des fantômes, hein, donc. J'ai pas compris là. On va siffler un peu, histoire de voir s'il y a de la vie dans la forêt, là, parce que y a même pas une mouche qui vole, quoi. Franchement, on n'est pas dans la savane, là, on est dans le désert. Ah. Ouais, d'accord, il y a des buffles. Va essayer de le péter le buffle, hein, parce que moi je m'ennuie là. Et vous allez voir que même la taille du buffle, je vais pas les voir. Pourtant, un buffle, c'est imposant, c'est gros. Je l'ai entendu avec le quand elle a poussé son cri d'accouplement, mais vous allez voir que. Yo, 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 yo. Elle m'a vu. Elle m'a vu, hein. Bon, c'est rassurant, il y a des buffles. On est à 187 mètres, on va peut-être pas. Puis vous connaissez le problème avec les buffles, hein. Ah, il y en a un là. Ok, très facile. Insignifiante. Bon. On va attendre un peu, on va voir si on va voir si ça se noircit un peu, mais à mon avis pour un bison en une balle hein, il faut lui mettre soit dans le cœur. Que même avec un organe vital touché pour un bison, je suis pas sûr que je suis pas sûr. Oh non, il tombera pas. Il tombera pas. Alors, du coup, pour la prochaine destination, on va aller là-haut. Voilà, l'aire de repos débloquée, ça fait zizir. C'est cool. Ouais, le buffle n'est pas tombé et à mon avis, ne tombera pas.
Ici, là, c'est des petits étangs, des plans d'eau, on va dire. Normalement, il y a des animaux, hein. Elle est censée avoir des animaux parce que voilà, au plan d'eau, bah, tu vas boire, hein. Donc, sauf que là, il y a Zabi. Il n'y a pas un seul animal. Ils n'ont pas envie de s'hydrater. Ouais, bon, le bison, on va le laisser tranquille. Hein. Le buffle. Pourquoi je dis bison, en fait? Je sais même pas pourquoi je regarde dans la jumelle, hein, les amis. Il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Hein. Bon, bah voilà, on va aller au dernier point et puis on va se quitter comme ça. Hein. Aujourd'hui, ça a été. Springbok. Springbok, 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 Springbok. Elle était un peu loin, la mémère. Je ne sais pas si elle va répondre à l'appel de la peau. Ça s'approche. Tir parfait, les amis. Ça, c'est un tir parfait. Neuf cent cinquante-cinq. Allez, hop. Et ben voilà les amis, on va se quitter comme ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour vous abonner. On se retrouve très rapidement pour la suite de l'exploration de la savane. Ça sera la phase d'exploration partie 27 pour la prochaine. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Salut, salut les amis.